à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec un peu de retard, hein, puisque normalement je pensais qu'on se retrouverait ce week-end. J'avais un peu zappé que j'avais plein de choses le week-end, dont une crop le dimanche. Bon, voilà. Donc, le samedi, pas de hall, puisqu'nous ne sommes pas allés en course. Et puis, surtout, pas le temps de faire le fameux tirage au sort. Donc là, les petits papiers sont prêts. Vous êtes 17 exactement à participer. Si je vous les montrais réellement, ça serait mieux parce que là, les noms sont vers moi. Ah ben non, ils en tournent dans tous les sens. Enfin voilà. Donc pendant qu'on discutera avec vous, je vais les plier en quatre et on les mettra après dans un contenant pour faire le tirage au sort. Elle est déjà en train de commencer. Ouais. Alors, on se retrouve tout de même donc pour un mini haul. Il y a pas, voilà, on n'a pas fait d'excès. Faut un petit peu se calmer avec action, hein, Ouais. et pas acheter pour acheter. Voilà. Tu commences, Romane? Non. Ah bon, c'est moi qui commence. Ouais. Eh bien, alors, je vais commencer avec ces deux petits bacs qui sont logiquement pour mettre dans un frigo, hein, pour mettre des bouteilles, etc. Et en fait, j'ai vu pas mal de scrapeuses l'utiliser comme range-crayon. Du coup, ben, je pense que je vais faire la même chose pour mes feutres à alcool nouveaux qu'on vend chez Scrap Plaisir. Et puis, peut-être d'autres, mes graphites aussi, qui logiquement sont dans des pochettes qu'on peut fixer au mur. Mais du coup, je vais voir si je ne vais pas Maman, les mettre tous par couleur. Voilà. Maman, tu pourras me chercher le prix Et de ça? donc, un, parce que là, je les ai déjà emboîtés, hein, ils vont par un. C'est 88 centimes le bac. Voilà. Tu peux, s'il te plaît, me chercher ça. Tu as cherché quoi? Le prix. Ah, le tarif, oui. Ensuite, il y a un jeu de memory avec les animaux de la ferme qui a coûté 99 centimes. Donc. Il n'est pas ouvert, je pense. Non, il n'y a pas. Oui. J'ai pas. Il y a un. Attends, je pense qu'il y a un scotch, Sherman, donc tu ne pourras pas l'ouvrir comme ça. Voilà, on a un. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Oui. Je pense qu'il y en a un deuxième, mais je ne le vois pas. Ben voilà, du coup, un jeu memory à 99 centimes. Ça vaut pas le coup. Oh là là, de s'en passer. Voilà, ça. Ah, c'est pas mal en plus. Ça a l'air pas mal. Oui. Rapidement, hein, Romain, on ne fait pas tout le tour. Poules, hein. La fourche non, mais, avec le eh, foin. Juste pour montrer, en fait, elles sont c'est des ronds. Voilà. La qualité est bonne. C'est plastifié, donc pour jouer avec les enfants, c'est pas mal. Et c'est un memory qui a 24 pièces. Donc 12 couples. Et donc, comme elle, Romain vous a dit, sur la ferme. Sur la ferme. Par exemple, là, j'ai déjà trouvé le couple. Ben, je ne sais pas si c'est des couples ou pas, hein, mais voilà si ce que je disais. Non, mais ou par deux ou par couple, je ne sais pas, on verra bien le jeu. Ah, j'ai pas le temps que tu fasses. Il doit y avoir 12 et 12. Donc c'était 99 centimes. Non, c'est par couple. C'est par couple, c'est-à-dire non, voilà, c'est les deux mêmes. Ah oui, c'est les deux identiques. Allez, à moi de continuer. Alors ensuite, au niveau du rangement, j'ai pris autre chose, mais en fait, on a posé la tablette dessus. Je vous le montrerai après, c'est un petit bac, une boîte de rangement. Une petite boîte de rangement avec les couvercles ou roses, ou bleus, ou noirs qui s'ouvrent avec deux battants. En fait, et là, on a pris le plus petit format, parce que moi, j'en ai mis des grosses, et là, on a pris un format plus petit à 2,09. Mais je vous le mettrai en photo, on le mettra en photo là. Voilà. Et merci, j'allais le dire. T'allais que dire quoi? Tu l'avais déjà en gros. Et ah, d'accord. Ok. Allez, vas-y, à moi. Continue. Ouais. Bah, allez, vas-y, c'est rien. De toute façon, on les voit pas. Avec des slips. J'ai pris des petits, on a repris des petites culottes pour Romain. Voilà, hein. Donc, étoile blanche et tout bleu. Fond bleu. Tout bleu et, oui, bah après, on blanche. Le voit. Et pareil, mais sauf que là c'est léopard. Oh, j'ai le même mais en noir. Ah oui, exact, je me rappelais plus. Et tout rose au-dessus. Voilà. Et combien c'est les deux petites culottes? 2,79€ une. Et du coup ça fait. Non, bah le lot de deux.
Ah, ça c'est 2,79, oui, les deux culottes. Ah oui. Voilà. Allez. Tu sais qu'en plus celle-là, c'est celle alors, que ensuite, je porte actuellement. J'ai pris l'éternel Tacky Glue à 0,99 centimes. Honnêtement, faut pas s'en passer parce qu'elle colle super bien, elle colle rapidement. On a encore un peu de temps des fois de faire des modifs, mais elle est vraiment top cette colle. Ensuite, Romana, toi. Ah, c'est moi. Bah oui, c'est pas à moi. Je continue avec des piles. Parce que vraiment, on n'en avait plus. Oui, bah oui, Romane est une rente en piles. Bon, après, c'est vrai qu'elles ne sont pas très, très résistantes quand même. Elles ne tiennent pas longtemps. Comparé à celles-là avec le lapin quand même qui tiennent un tout petit peu plus longtemps. Oui, elles sont quand même de meilleure qualité, mais le tarif n'est pas le même non plus. Hein. Ouais. Donc, donc là, c'est combien celle-ci ? 1,79€ et voilà. Les autres c'est 2,79€. Non, les autres c'est 5€ et quelques. Ah ouais, pour la même, hein, pour les 12 piles, je crois. Hein, donc il n'y a pas photo. Hein, c'est le prix des fois. Ça, c'est t'as trouvé le prix ? Oui. Alors moi je poursuis. Oui, je suis tombée sur un. Alors je vais l'ouvrir, je suis désolée pour le bruit. J'aurais dû le sortir bien avant. Donc voilà, voilà. Non mais c'est bon. Là. Alors. Et puis il va pas vouloir sortir. Voilà, ça y est. Donc sur un petit carnet à 99 centimes. Honnêtement, là je me suis dit. Ah c'est un carnet ? Oui, c'est un petit carnet. Donc non, non, c'est un petit carnet. Qui a l'air pas mal du tout. Avec. Donc des pages lignées, hein, assez relativement épais. En plus, on a un petit crayon avec. Bon, crayon, j'en mettrai sans doute un. Oh, ça, par contre, ça sent pas super bon. Hein. Donc un petit carnet, comme écrit notes, hein, mais moi je vais en fait m'en servir pour noter, je pense, toutes les adresses des personnes avec qui je fais des échanges, etc. Que ça soit sur. Le groupe de Rose Coco Bonbon et vous, ou alors moi avec la chaîne. Comme ça, ça sera bien. Parce qu'actuellement, je les mets dans un livret, mais il faut que je recherche après. Voilà, en fonction des pages et tout. Donc là, ça sera regroupé sur un seul petit carnet. Ça sera pas mal du tout. Donc ça sera mon carnet YouTube et échange. Voilà. Donc à 99 centimes, il est vraiment pas mal du tout. Et je pense que je vais pouvoir mettre. Un paquet d'adresses avant d'arriver à la fin. Il y avait plusieurs modèles. Moi, j'ai pris celui-ci parce que d'une part, il était bleu. Puis j'aimais le côté petit pois. Voilà. Ensuite, Anna. Oui, vas-y, après. Ok, t'es avec la trousse Lika. Oui. Qu'on a trouvé. Bah, que t'as trouvé. Non, que tu as trouvé. Ah oui, c'est moi qui l'ai vu. Bah, c'était la seule au milieu de tout. Hein. Tout ce qui était machin, c'était vraiment la seule. Et carrément, on a carrément dû, en fait. Il n'y avait pas le. Bah, on arrive à la caisse et il n'y avait pas le tarif. Il n'y avait pas le tarif. Donc il a fallu. Et moi j'ai dû aller chercher un autre. Oui, bah, c'est pas grave, sinon on attend qu'on attende. Au début, j'ai cru qu'en fait il fallait aller chercher la même. Ah oui, mais comme elle n'y était pas, tu es revenue bredouille. Donc on a fait un petit bouchon à la caisse. Enfin, c'est pas grave. Et donc, comme la smiley, elle est à 89 centimes. Vous savez, c'est la petite trousse thermocollée, etc. Ensuite, petite découverte des miroirs stickers. Alors, il y en avait plusieurs sortes. Oh, ça brille un peu. Mais moi, j'ai craché. Pardon. J'ai craqué. Oui, j'ai vraiment craqué, moi. Il est... Tu mettras en noir et blanc. Ouais, ouais. Je pense qu'il est temps que les vacances arrivent. Hein. Bon, on va encore falloir attendre un peu. Donc, j'ai craqué pour, évidemment, Monsieur Renard à nouveau, là. Qui est vraiment très sympa. Le petit globe, l'ananas, le petit vélo, enfin voilà, sympa. Je l'ai. Et puis là, ça devait être un cupcake, une glace, donc ça sent un peu l'été, le côté sympathique. Voilà. Et puis le deuxième, qui est avec un petit chat, un parapluie, la pause café, enfin voilà. Et le paquet, c'est 0,64 centimes. Donc, c'était à toi. Oui. Alors après, une petite interruption.
parce qu'on a dû partir plus vite qu'on ne le pensait. On termine enfin notre petit hall avant de procéder au tirage au sort. Donc tout est bien plié. Tous les petits papiers sont pliés. Et on va les mettre dans cette boîte. Bien, je les mets déjà. Allez. Voilà. Voilà. On verra après. Alors, je continue. Ouais. Alors, j'ai repris les éternelles petites enveloppes de chez donc Action. Hein, des paquets par 10. Rose. Les petites plumes. La bleue. Et la turquoise. Ouais, enfin, c'est plus vert que turquoise. Oh, j'aime bien mon turquoise. Et c'est toujours 0,59 centimes le paquet. Ensuite, moi, pour terminer, des œufs en chocolat avec un lapin. Voilà. Ah, 79 centimes le paquet, ouais. C'était, hein, c'est ça? Ouais, tu l'as marqué? Bah, je sais plus. Mais non, je m'en souviens du tarif. Je l'ai pas marqué, je crois. Ah, et moi, il manque un truc. 79 centimes. Encore? Bon, bah, alors, je continue, moi. Et en fait, j'ai repris deux petits blocs 15-15. Donc, le Vintage Travels. Je ne sais plus si je l'avais pris ou pas. Je pense que vous le connaissez toutes plus ou moins parce qu'on l'avait, mais il me semble que je l'avais déjà pris. Romane, tu es en train de me faire bouger. Excuse encore le. Voilà, donc. Et puis le Vintage Grunge. Alors celui-ci, c'est pareil. Enfin, il ne me semble pas que je les ai, mais je ne suis pas. Vintage, je ne sais pas trop, mais en fait, les couleurs me plaisaient bien. Pour faire de la carterie ou même un mini-album. C'est pas trop chargé, etc. C'est pile poil comme j'aime. Donc ces blocs sont à 0,89 centimes. Comme ça, on dirait que je vais t'entendre. Voilà, j'ai fini. Et moi, je termine avec ça. C'est vraiment nul. Ouais. Normalement, quand tu voyais la pub, le machin il passait comme ça entre les doigts. Ça avait l'air super. J'ouvre la boîte. Bon, ça va, c'est 59 centimes. Et bon, voilà quoi. Ça aurait été plus cher. Je répétais les plombs, je crois. Ouais, bon, voilà, c'est pas grave. C'est sympa, c'est quand même, c'est rigolo. Oh, je l'ai fait, allez, on je l'ai fait tomber. Toucher à ma mamie. C'est bon. Elle l'a acheté comme ça. Oui, mais parce que mamie, elle aime pas. Elle a dû penser à un serpent. Alors, ensuite, on va donc procéder au tirage au sort. Donc, pour le premier lot. Qui étaient, je les ai pas repris avec moi comme une neuneu, ils sont restés à l'étage. Bah, donc vas. Les tampons, donc renard, le premier lot pour le tampon renard. On va laisser donc Romane tirer au sort un papier. Et c'est. En prenant qu'un, hein, t'en as qu'un. Ouais. Donc qui c'est? Et c'est. Est-ce que tu as. Angel Skies. Alors, Angel Skies. Voilà. Donc, qui a remporté, non, il n'y a pas besoin de ça, qui a remporté ses neuneux, ça sert à rien, soit premier tu prends. Premier lot. Donc, le tampon renard, hein, le tampon renard. Allez, un deuxième, attends, je rescoue. Voilà, vas-y. Et donc, le deuxième, c'était la couronne fleur avec les cœurs. Et c'est Eminette. Non, Eminette 18. Non, ce serait bien que je vous le donne dans le bon sens. Voilà. Alors, les filles, pensez donc à me faire parvenir votre adresse postale pour que je puisse vous envoyer votre petit cadeau. Postabox. Donc, Angel, le renard, et Eminette, la couronne. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, ce n'est pas fini. Encore une petite surprise. Alors, comme la dernière fois, chut, on dit rien, vous ne mettez pas de « je participe » ou quoi que ce soit. Vous faites un petit commentaire comme vous avez envie sur la vidéo. Et puis donc, le premier lot. Alors, il y aura ces petits stickers 3D avec Winnie l'ourson. Je les ai retrouvés, il y en avait très peu à l'époque. Je sais qu'il y en a pas mal qui les cherchaient, qui en avaient envie. Et puis, il y aura aussi donc cette petite planche hein, que je vous ai présentée, etc. Moi, comme je l'aime, je l'ai pris en deux fois. Donc ça, c'est le lot 1. Voilà. Et le lot 2. Et puis, encore un deuxième petit lot. Alors, c'est pas grand-chose, hein, certes, mais j'espère que ça vous fait plaisir quand même.
Le dice licorne avec les tampons. Alors, moi, j'ai déjà le dice licorne et, avec les tampons et donc et le chat. Mais c'est ma sœur qui me les a trouvés et qui me les a achetés. Et ils sont toujours chez elle. Mais moi, comme j'ai trouvé celui-ci, je me suis dit que ça pourrait plaire à certaines. Donc, le deuxième petit cadeau, ce sera ce dice licorne avec les tampons. Donc, comme la fois précédente, un petit message de rien, hein, un petit message sympa sous cette vidéo. Et puis, on procédera au tirage au sort. Logiquement, pas samedi là, mais le samedi. Donc, ça ferait le samedi quoi? Pas le 25 là, puisqu'on va être le 25. Le samedi. Donc, ça ferait 30. Le samedi de Pâques 30. En fait. Avant Pâques. Ouais, donc, non, après Pâques. Non, c'est Pâques. Pâques, c'est le 1er avril. Donc, le samedi 30, le tirage au sort aura lieu donc pour ces deux petits lots. Attends. Voilà, alors on a fini. Plus rien à vous présenter, plus rien à un. On espère que ce petit haul vous aura plu. Donc, alors, je ne me rappelle déjà plus des noms des gagnantes. Que Eminet 18 et puis Angel Sky donc m'envoient bien leur lettre, leur adresse postale sur mon mail comme d'habitude hein, qui est en barre d'infos pour que je puisse leur envoyer leur petit lot. Et maintenant c'est fini. Voilà, et donc on vous dit à bientôt, à la prochaine. Bye bye bye.